en plus. Vous foutez quoi là-dedans? Bah j'ai mal cacué mon couet. Et je me suis endormi, j'ai l'impression. Vous êtes endormi dans mon armoire? On se connaît en plus? On se connaît pas. Ah non, c'est la première fois, je crois qu'on se voit. Vous déboulez comme ça, dans ma chambre? C'est ta chambre? Moi j'ai pas le temps de parler avec vous. Ça va laver pour vous comme ça? Ça te dérange si je fume, on ouvrira les fenêtres. Y'a pas de fenêtre. Ah bon? Y'a pas de fenêtre? Bah ouais. C'est provisoire, hein. Mais c'est comme ça. Puis moi, bah, ça me va en fait, hein. C'est moche, ça me correspond. Mais... Ah, vraiment, vous êtes sans zèle, hein. J'arrive pas à arrêter ce truc, c'est terrible. J'ai tout essayé, ça va pas marcher. Je vous connais pas. Je vous ai jamais vu. Vous fumez dans ma chambre. Et je suis en plus obligée de vous écouter. Moi, j'ai pas le temps de vous écouter. J'ai des choses importantes que je dois faire. Je me sens peut-être seule. Ma tranquillité. Je vous demanderai de partir maintenant. C'est quoi que tu dois faire? Je dis, j'ai pas envie de vous écouter et ni de vous parler d'ailleurs. Ce qui est important, c'est que je demande à ma maman. Parce qu'elle me l'a demandé. Et que c'est important, oui. Voilà ce que je dois faire. Et même la nuit, elle sonne ta montre. Oui. Baguette ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais c'est vrai, elle est chiante ta vie. Tu te marres jamais, il n'y a pas de distraction dans ta vie. Et pendant ce pendant ce temps-là, les autres, eh ben ils se marrent. Mais tu le sais ça. Mais moi je m'en fous des autres. C'est pour les petits, s'amuser. Et moi, j'ai des choses plus importantes et plus adultes, hein. Que de m'amuser. Alors maintenant, ciao. Fermez votre bouche. Il déblatère les gros adresses de la chaîne et fermez leur main en sortant. Si ça se trouve, bah, je suis une vraie salope. Parce que j'ai pas pensé à ma maman. J'ai pensé à ma maman pendant... Je sais pas combien de temps. Peut-être qu'à cause de ça, je vais tomber dans la vraie mort maintenant. Voilà l'histoire. Vous êtes contents, vous là? Tu vas pleurer? Oh non! Ah, je supporte pas ton chien à côté de moi. Surtout les bombes. Mais je chale pas d'abord. Et puis ça va suffire, oui. Là, te faire insulter comme ça. Vous êtes qui, vous, d'abord? Je suis qui? Oui, vous êtes qui, vous, d'abord? Moi! T'es qui, alors? Alors? Mais t'es qui? Mais je suis qui? Mais t'es qui, dépêche-toi! La fée! La fée, c'est qui? Quoi, la fée qui? La fée, toi? Ta fée, quoi? Ça arrive. Mais c'est comme ça, une fée. Et oh, dis donc, tu me connais pas encore, hein. Mais moi, j'ai jamais demandé d'avoir une fée, hein. Bah, ça se demande pas, c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce qui me dit d'abord que vous êtes vraiment une fée? Je sais pas, moi. Vous êtes magicienne. Oh oui, oh absolument. Ah, je connais des tours. Mais que je fais sans utiliser mes pouvoirs de fée? Attends, je te montre.
5. 4. 4. 4. 4 flics, c'est ça. 4 flics, j'ai trouvé. Wouh. Merde, calme! Ça fait 5 piques! C'est pas terrible tout ça, hein? Et moi, je dois me reconcentrer! Ouais, je sais, c'est pas terrible. Mais je m'entraîne, j'ai décidé de plus utiliser mes pouvoirs de fées pour faire mes tours de magie, mais de les faire en apprenant des trucs dans les livres. Comme les vrais magiciens. Qui font des trucs faux. Ça sert à quoi de faire ça? C'est plus marrant! Ça peut rater du coup quand je réussis, mais. Je suis folle de joie, je saute partout. Ah, je suis comme une folle. Mais merci de la visite. Hein. Non mais attends, laisse-moi une autre chance. Vas-y, tire une carte. D'abord. Au hasard. Mais attendez. Regarde, il faut prendre tout le paquet. Comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Mais vas-y, allez, vas-y. Et après, t'en retournes une. Ah, comme ça. Ça. Et tu reprends tout le paquet comme ça. Merde. Ça, c'est une force. Une reine. Un roi. As. As. As de cœur. Ouais. As de cœur, j'ai trouvé. Waouh. Moi, j'adore ça. Oh, j'ai tous les bouquins que je peux trouver. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, ouais, ouais. Je suis pas sûre que pour une fée, ce soit tout à fait normal de rater des tours à la chaîne comme ça, hein. Oh mais t'es fatigante. Tu me fatigues. Je suis fatiguée. Ça vous en faut pas beaucoup, non. Tu verrais toi si t'avais mon âge, si tu serais pas fatiguée. Vous avez quel âge vous? Quel âge tu me donnes? Bah, je sais pas. 37 ans. Non. Mais quel âge alors? 874 ans le mois prochain. À un ou deux ans près, je crois que c'est ça. 874 ans? Vous êtes... Les 200 premières années ont été géniales. Après, j'ai doucement commencé à m'emmerder. Et depuis à peu près, je dirais, 300 ans, je me fais vraiment chier. Il n'y a plus de surprise dans la vie. J'ai tout fait. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. J'arrive plus à me motiver, en fait. Je me sens déprimé. J'ai été marié plus de 90 fois. J'ai eu des wagons de gosses, je compte même plus. Mais bon, l'amour, c'est génial les 15 premières fois. Mais après, ça devient totalement répétitif. Ça veut dire que vous êtes immortel. Ouais. Ça va avec le statut de fée, on est immortel. Vous mourrez jamais. Non mais c'est comme ce que je te dis, c'est bien au début, mais au bout d'un moment, bah, c'est fatigant. Parce que c'est tout le temps la même chose. En fait, vous êtes blasé. Non mais t'imagines pas à quel point je t'envie, toi. Faire des trucs pour la première fois, mais tu vas voir, mais c'est génial. Comme quoi? Comme quoi les mecs. L'amour. N'importe quoi. Oh! Et moi je dois me reconcentrer? Je vous ai dit, je suis en train de laisser passer le temps! Allez, maintenant on s'en va! Eh oh, doucement! On n'est pas des animaux non plus! Mais allez, on se lève, c'est fini la psychanalyse! Mais je sors par où? Mais par où? Vous allez! Bon bah, salut! À bientôt! On parle plus.